Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors aujourd'hui on va parler de symétrie centrale, le thème du jour. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que deux figures symétriques par rapport à un point parce qu'en en sixième, en sixième, on apprend la symétrie axiale, c'est-à-dire symétrie par rapport à un axe. On va en reparler aussi aujourd'hui, hein. c'est important. Et en cinquième, on apprend la symétrie centrale. D'accord Donc, c'est-à-dire que c'est la symétrie par rapport à un point et non pas par rapport à un axe. Ok Alors, qu'est-ce que ça signifie que deux figures sont symétriques par rapport à un point deux figures sont symétriques par rapport à un point si elles sont superposables par demi-tour autour de ce point. Si elles sont superposables, superposables par demi-tour autour de ce point. Alors, ça a l'air méchant comme ça, mais c'est relativement simple. Je vais vous expliquer. Avant de vous expliquer, on va déjà traiter de plusieurs choses qui sont symétriques. Par exemple, si je vous demande la symétrie d'un point par rapport à un autre, imaginez que là vous avez le point O, d'accord Et je place un point A ici, et je vous demande de faire le symétrique de A par rapport à O. Donc, le symétrique de A par rapport à O. O, c'est le centre de la symétrie, et moi je veux transformer le A. Comment on fait Alors, on prend une règle, on trace la droite à haut, donc avec la règle. Tac. Ensuite, on prend un compas. Très important, d'accord D'avoir vos compas avec vous aujourd'hui, on prend un compas. Alors moi, je n'ai pas de compas, mais je vais faire semblant d'avoir un compas. OK, imaginez que ça, c'est un compas. Vous mettez la pointe de votre compas. Ici et votre crayon ici. D'accord Et vous tournez dans l'autre sens. Ça va vous donner un truc comme ça. D'accord On va dire que là, c'est le point A', l'image de A par la symétrie de centre O. Du coup, O, il est situé où par rapport à A et A' Le centre, c'est bizarre de dire ça, le centre par rapport à deux points. Il y a un autre mot. O, L, E, U de A à prime. Oui. O est le milieu de A à prime. Vous voyez, là et là, on a la même longueur. D'accord Vous peut-être pas, euh, je ne sais pas si on voit bien là. Tac. Tac. Il est peut-être un petit peu plus près quand même. Et comme je n'ai pas de compas géant, on va dire que ça marche. Hein. OK Donc là, O, il est situé au milieu de A A'. J'ai une question, c'est quoi l'image de O par la symétrie de centre haut L'image de lui-même, c'est quoi Je répète ma question, quelle est l'image de O par la symétrie de centre haut Renaud me dit lui-même, évidemment, la symétrie qui transforme O, par le centre haut, bah, il, il reste sur lui-même. Il n'y a pas de, de distance, donc ça reste haut. Ok, ça, il reste lui-même. Ok, on continue. Quelle est la symétrie d'un segment Imaginez que j'ai le segment AB. Donc là, j'ai A, là j'ai B. Donc là, vous avez un segment AB. Ok. Et je veux la symétrie du segment AB. Donc le A, on l'a déjà trouvé. Le B, eh ben, on va faire exactement pareil. C'est-à-dire qu'on prend la droite BO. Vous tracez. Vous faites la longueur avec le compas. Tac. Tac. On va dire qu'on atterrit ici. Ça, c'est le point B'. Et l'image de AB, ça vous donne quoi ça vous donne un autre segment. a prime, b qu'est-ce que vous pouvez dire du segment a prime, b prime par rapport au segment ab? oui, très bien, amélie. c'est parallèle, exactement. et quoi d'autre? on peut dire autre chose aussi. c'est pas que parallèle, c'est même carrément la même longueur. donc, la symétrie centrale conserve le parallélisme et conserve les longueurs. D'accord La longueur AB est égale à la longueur A'B'. Donc on garde la même longueur. Si je vous demande la symétrie d'une droite, par exemple la droite qui est là, elle va arriver là, elle sera parallèle. Ok euh, À votre avis, la symétrie d'un cercle Si jamais je fais un cercle, je vais faire un petit cercle, je ne sais pas moi. Comme ça, un cercle de centre A, et de rayon 2 cm, j'invente, il va atterrir où ce cercle exactement là, pareil, un cercle de centre A' et de rayon 2 cm aussi. OK, donc du coup, quelle est la symétrie d'un cercle par rapport à un point C'est un autre cercle de même rayon. OK Et dont le centre est le symétrique. Tout simplement. Euh voilà ce qui est important de savoir. Maintenant, il faut travailler sur les constructions comme je vous ai appris. Donc, vous allez prendre le polycopier que je vous ai demandé d'imprimer. Et vous allez me faire l'exercice 1. Alors, pour moi, ça ne va pas être évident, mais je vais quand même essayer de le reproduire au tableau. Donc, tout le monde prend une feuille à carreaux. Vous reproduisez le petit dessin qui est là. D'accord Ce petit dessin-là. Vous recopiez, vous reproduisez la figure et vous me faites la symétrie d'abord par rapport à M et ensuite par rapport à N. Ok Ok, ça c'est la figure. Vous arrivez à voir quelque chose avec, euh, Donc là, j'essaie de repasser un peu. Ça c'est la figure que j'ai reproduite. J'essaie de la grossir un petit peu. Donc je fais avec les moyens du bord. Hein. Ok Donc ça c'est ma figure. Alors... Je vais commencer avec le M. Le M, il est où le M Regarde bien, Renaud. Il est fait en rouge. Alors, je n'ai pas de rouge, mais je vais trouver du rouge. Euh, ah, voilà. Donc, le M, il est là. Ici. Si je ne me trompe pas. OK. Alors, comment on fait pour tracer cette figure Regardez bien. Il faut tracer chaque point de la figure. D'accord Donc, par exemple, ce point-là. Il faut faire le symétrique par rapport à M. Donc pour aller de Là à M, on fait comme un peu à la bataille navale, deux vers la gauche, un vers le bas. Et bien on fait pareil, deux vers la gauche et un vers le bas et on atterrit ici. Lui, il est là. Ok Et chaque fois que je vais faire un point, je vais lui mettre un point rouge. Lui, comment on fait Toujours par rapport à M. Hein. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 1. Et bien je fais pareil. 1 2 3 4 1 deuxième point donc ces deux là sont faits on peut même les tracer si on veut pourquoi parce que là ils sont tracés donc là je les trace on continue celui- là maintenant donc celui là je fais 1 2 3 4 et je monte de 1 vous avez vu ou pas 1 2 3 4 je monte de 1 et ben là je fais 1 2 3 4 et je monte de 1 j'atterris ici donc je monte. Je viens de faire celui-là. Vous voyez Tac, tac. Celui-ci maintenant. Vous voyez, je continue à tourner dans le sens. Celui-ci, pour arriver à M. Pour arriver à M, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Et on atterrit ici. On relit. Tac. On vient de faire celui-là. Celui-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pareil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On atterrit ici. On trace. J'en suis là. Ensuite, il faut faire celui-là. Celui-là. 1, 2, 3, 1, 2. Voyez ou pas Pour faire celui-là, 1, 2, 3, 1, 2. Donc 1, 2, 3, 1, 2. On atterrit ici. On trace ce point-là pour aller à M. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. On atterrit ici. Tac. On y est presque là. Hein Lui. Lui. 1, 2, 1. 1, 2, 1. On atterrit là. Et on trace lui. 1, 2, 3 et c'est tout. 1, 2, 3 et c'est tout. Tac. Et il n'y a plus qu'à rejoindre le point de départ qui est là. Donc si vous voulez, je la recopie. Je ne sais pas si vous voyez bien. On obtient cette figure-là. Alors, c'est ce que je vous disais au début. Hein. Je vous disais la symétrie d'une figure par rapport à un centre. C'est, on obtient la même figure par un demi-tour par rapport au point. Donc, regardez, si vous faites le demi-tour, vous atterrissez exactement par rapport à ce point. Vous, atter vous atterrissez sur la même figure. Elle est superposable par rapport à ce point. D'accord? Faites-moi l'autre, envoyez-moi des photos de ce que vous avez fait avec le point N. Le point N qui est situé, je vais le mettre en vert. Le point N qui est situé ici. À vous de jouer. Je commence à le faire aussi. Si vous avez du mal, vous regardez. Si vous vous en sortez bien, vous continuez dans votre coin et vous regardez juste si vous avez comme moi. D'accord Moi, je les prends point par point et on y va. Tac, tac. On est ici pour le premier. On va commencer là. Et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais faire point par point comme d'habitude. Donc celui-là. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. On arrive ici et on trace. Celui-là est fait. Celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ici. Et on trace. On est là. On va passer à lui. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. On atterrit ici. Tac. On continue. On doit aller là.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. On arrive ici. Tac. Un petit dernier, celui-là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ici. Hop. Et enfin, on relie avec le point de départ qui était là, qui est donc là. Comme ça. Ça va tout le monde Voilà comment on fait la... Alors là, c'est très facile. Pourquoi Parce qu'on a le droit aux carreaux. Donc quand on est avec les carreaux, ça va mieux. OK Alors, exercice 2, on va revenir sur les symétries axiales aussi. Parce que c'est important de... Même si c'est du programme de sixième, c'est important de maîtriser la symétrie axiale aussi. D'accord Donc, regardez. Je vais faire avec vous le premier, après je vais vous laisser réfléchir. Dans l'exercice 2, exercice 2, je vous demande d'indiquer le nombre d'axes ou de centres de symétrie de chaque figure. Alors on va commencer par la première, un rectangle. Comment c'est un rectangle Ah, le rectangle. Alors venons faire un dessin, ce sera plus simple. Un rectangle, ça ressemble à quoi Un rectangle, ça ressemble à ça. Ok. Alors, la question, c'est combien le rectangle a-t-il de d'axes de symétrie et de centres de symétrie Ok. Alors, commençons par les axes de symétrie. Je vous rappelle qu'un axe de symétrie, c'est comme un miroir. Ok. Donc, du coup, est-ce que vous voyez des miroirs, des, des traits que vous pouvez tracer qui seraient des miroirs Tiger Naïm me dit. 4. Tu me dis qu'il y a 4 axes. Amélie me dit qu'il y en a deux. Alors, lesquels axes, Naïm Ouais, moi, je dirais plutôt deux. Il y a cet axe-là. Regardez. Hop. Là, vous avez bien un axe de symétrie. Pourquoi Parce que si vous prenez cette partie-là, là, vous pouvez la replier et ça va vous donner exactement la même. Donc, premier axe de symétrie. Et il y en a un autre. Il est là. Vous voyez ou pas celui-là Qui On va avoir toute cette partie-là là qui va, si on replie, se replier sur celle-là. Ok. Donc deux axes de symétrie. J'en vois pas d'autres. Je pense que Naïm, tu voulais me mettre les diagonales. Mais le problème des diagonales, c'est un rectangle là. D'accord. Donc si tu coupes comme ça en diagonale, cette partie-là ne va pas se mettre exactement sur celle-là. Il s'agit d'un rectangle. Je comprends pas. Donc essaye avec, par exemple, à la maison. À la maison, tu peux essayer avec quelque chose de très simple, avec une feuille. Regarde, je te montre. Je prends une feuille. Enfin, je vais essayer de trouver une feuille qui ne sert à rien. Voilà. Je prends une feuille blanche. Tu es d'accord que ça, c'est un rectangle. D'accord Là, je vais, prendre, je vais prendre la diagonale. Celle-là, là. OK Si je plie selon la diagonale, comme ça. Hop et hop. Est-ce que je tombe sur un truc qui est superposable Regarde, ça me donne un truc bizarre. Mais tu vois que ce n'est pas superposable. Alors que si tu prends ta feuille et que tu l'applies pile au milieu comme ça, hop, là par contre on a exactement la même chose et c'est superposable. Dans ce sens-là et d'ailleurs dans ce sens-là aussi. Tu vois ce que je veux dire, Naïm donc, les diagonales ne sont pas des axes de symétrie, même si j'avoue que c'est tentant de le dire. Ok, on a trouvé deux axes de symétrie. Maintenant, des centres de symétrie. Est-ce qu'il y a des centres de symétrie Si oui, combien Et si oui, lesquels Centre de symétrie, oui ou non dans le rectangle Alors, oui, il y a un centre de symétrie, un seul, et il est où il est au milieu des diagonales. Regardez. Il est là. Ça, c'est le centre de symétrie. Centre de symétrie, et il n'y en a qu'un. Un centre de symétrie. Pourquoi Parce que regardez, ce point-là, son symétrique, il atterrit ici. Ce point-là, son symétrique, il atterrit ici. On voit bien le centre de symétrie. De, dans un rectangle. OK Vous prenez la suite, vous essayez de les faire pendant que moi, je fais des dessins. Alors, à quoi ça ressemble un losange Un losange, c'est un parallélogramme un peu particulier puisque diagonales sont, les diagonales d'un losange sont orthogonales, sont perpendiculaires. Donc, on va dessiner un losange. Voilà un losange. OK Donc, Combien vous voyez d'axes de symétrie Alors, Hanine me dit 4 axes de symétrie. Renaud me dit 2 axes, axes de symétrie et un centre. OK. Alors, Hanine, pourquoi tu me dis qu'il y en a 4 Deux, je les vois. Deux axes, je les vois. J'en vois un comme ça. Parce que ça, ça va venir se superposer là-dessus. J'en vois un autre comme ça. Ce paquet-là, enfin, ces deux, deux segments vont se, vont se superposer sur celui-là. J'en vois pas d'autre, par contre. Malheureusement. Donc, deux axes de symétrie. Deux axes de symétrie. Et combien de centres de symétrie Un centre de symétrie, il est là. Là, on arrive là. Là, on arrive là par symétrie. Donc, un centre de symétrie. On continue. Le carré. Ah, le carré, il doit y en avoir un peu plus. Le carré, donc, qui est un rectangle particulier, parce que les quatre côtés sont égaux. Donc, dans le carré, on a combien d'axes de symétrie Là, il y en a peut-être quatre. Regardez. Un comme ça. Un comme ça. Et là, pour le coup, un comme ça. Et un comme ça. OK Donc on a bien quatre axes de symétrie dans le carré. Un, deux, trois et quatre. Et on a combien de centres Un centre, toujours le même, hein, qui est là. Un centre de symétrie un centre de symétrie en plein milieu du carré ici On continue Ensuite je vous demande triangle isocèle triangle équilatéral et cercle Alors D triangle isocèle Et je vais tout de suite mettre ici triangle équilatéral. Alors, triangle isocèle, qu'est-ce que c'est qu'un triangle isocèle Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. Regardez. Tac. Hop. Et hop. Ça est égal à ça. Ça, c'est le triangle isocèle. OK Donc, dans un triangle isocèle, combien vous voyez d'axes de symétrie Ranine me dit un axe de symétrie, ça me plaît. Il est où l'axe de symétrie, Ranine Il passe par là et il vient, hop, perpendiculairement ici, se mettre ici. Et effectivement, là, on voit bien l'axe de symétrie. On va pouvoir replier le triangle comme ça et on a exactement la même chose ici et ici. Et je n'en vois pas d'autre. Il n'y a qu'un seul axe de symétrie. Est-ce qu'il y a un centre de symétrie dans le triangle isocèle Est-ce qu'il y a un centre de symétrie Non, il n'y en a pas. D'accord Donc, pas de centre de symétrie. Très bien. On passe au triangle équilatéral. Triangle équilatéral. Donc là, c'est quoi la différence avec le triangle isocèle C'est que les trois côtés sont de la même longueur. Donc dans un triangle équilatéral, on va avoir combien d'axes de symétrie On va en avoir un comme ça. Mais on va en avoir un autre comme ça. Et enfin, un dernier comme ça. OK On a trois axes de symétrie. Par contre, attention. Toujours pas de centre. Toujours pas de centre. Ça, c'est pas le centre de symétrie. Pourquoi Parce que là, on n'arrive pas là. D'accord Ça fonctionne pas. Donc, pas de centre de symétrie. Et le petit dernier pour la route, le cercle. F pour le cercle. Donc, si je trace un cercle, comme ça, de centre. O, on va dire. Donc pour le cercle, il y a Renault qui me dit qu'il y a un axe qui est le diamètre et le centre du cercle comme centre de symétrie. Je ne suis pas d'accord avec toi, Renault. Par contre, je suis d'accord avec Naïm. Naïm me dit qu'il y a une infinité d'axes de symétrie et tu as tout à fait raison. Regardez, ça, c'est un axe de symétrie puisque ce, ce demi-cercle va retomber sur ce demi-cercle. Mais ça, C'en est un autre. Et ça, c'en est un autre. Tous les diamètres sont des centres de symétrie. Donc, il y a, il y a une infinité. Infinité d'axes de symétrie. Et centre de symétrie ben, Il y en a un, c'est lui, évidemment. Parce que là, ce point-là atterrit là. Ce point-là atterrit là. Ce point-là atterrit là. Donc, il y a un centre de symétrie. Est-ce que vous avez bien vu la différence entre axe de symétrie et centre de symétrie Et comment on les reconnaissait Alors, on va voir ça tout de suite. Vous prenez tous l'exercice 3. Je vais vous laisser 5 minutes pour le faire tranquillement. Et ensuite, je le corrige. Okay. On vous demande, donc là je l'ai reproduit, donc là vous avez 3 cm, 3 cm, 3 cm et 2 cm ici on a un rectangle, et on vous demande d'effectuer la symétrie de ce schéma par rapport au point M. Il faut faire tous les points un par un par rapport au point M, c'est important. Donc bah déjà le point M reste le point M, ça c'est sûr. Le point D, il arrive où Si on fait la symétrie du point M, pardon, la symétrie du point D par rapport au point M. Si vous prenez votre compas et que vous allez de l'autre côté, vraiment la symétrie, enfin un demi-tour, ben on arrive ici. Et le point C, si vous faites la symétrie, il arrive ici. Donc en fait, le D devient là et le C arrive là. Le demi-cercle qui est comme ça, il va arriver où Il va arriver en bas. Est-ce que tu vois Ranine ce que tu as fait de faux Toi tu as carrément décalé ton dessin. Non, là il faut vraiment prendre point par point et faire le symétrique par rapport à M. OK Donc lui arrive là, lui arrive là. On en a déjà fait deux. Quoi d'autre Le point B par rapport au point M. On prend le point B et on fait tac tac tac. Vous prenez votre compas. Là on dirait pas une droite, on dirait une courbe, je recommence. On fait comme ça. Et on continue. OK Là, vous allez arriver. Vous prenez votre compas. Vous faites la symétrique dans l'autre sens. Et vous allez arriver ici. OK Ça, c'est l'image de B. On peut l'appeler, si vous voulez, B'. Là, je n'avais pas assez de place pour mettre des noms. Le point A. Tac, tac, tac. Et on va arriver ici. On prend le compas et on regarde la même longueur. OK Donc, déjà, le rectangle A, B, C, D, il arrive où Il arrive ici. Vous voyez Donc, ce rectangle-là, par rapport au point M, il atterrit ici. OK, on continue. Le point E, il nous reste ce point E-là à placer. Le point E par rapport au point M, on trace la droite EM, mais ça va aller plus loin là. Et on fait cette longueur-là, mais ici. Ok Si vous n'avez pas de rapporteur, de compas, pardon. Ce que vous pouvez faire, c'est calculer la distance. Là, vous avez 3 et là vous avez 1,5, puisque c'est la moitié. Donc ça fait en tout 4,5. Et bien vous pouvez faire 1,5 plus 3. Hop 3 et 3. C'est exactement la même longueur. Et là, vous allez arriver ici sur le point E', l'image de E. Du coup, il n'y a plus qu'à tracer. Hop. Et hop. Et donc, là, c'est le point A'. Donc, le symétrique de ce dessin-là par rapport au point M, on atterrit ici. Allez, le dernier, c'est un petit jeu. Franchement, il n'est pas méchant du tout. D'accord Donc, on vous demande dans l'exercice 4, et après, je vous laisserai tranquille pour aujourd'hui. Dans l'exercice 4, on vous demande de colorier le minimum de cases afin que la figure soit symétrique par rapport à 0. D'accord Donc, vous avez votre dessin. OK Moi, je vais le refaire au tableau aussi. Et on va essayer de colorier le minimum de cases pour que ce soit symétrique par rapport à 0. Allez-y, pendant que je le reproduis. Combien de carreaux doit-on colorier pour que cette figure soit symétrique par rapport à eau. Mais évidemment, un minimum de carrés. Parce que si on colorie tout, évidemment que ce sera symétrique. Hein. Alors, regardons ensemble. Il faut qu'il y ait une symétrie par rapport à eau. On va prendre tous les carrés un par un et on va essayer de trouver le symétrique par rapport à o. OK Donc, il faut juste colorier celui qui est symétrique. On a un carré de côté 10. 10. On a 10 carrés en longueur, 10 carrés en largeur. C'est un carré. Ok? Donc, Mayan que trois Que trois Ah non, moi je pense qu'il y en a beaucoup plus. Regardez, on va les prendre un par un. Celui-là, le symétrique par rapport à haut, il est où Il est où Il est là. D'accord C'est celui qui est, hop, tout en bas à droite. Il est tout en haut à gauche. Il arrive quasiment tout en bas à droite. C'est celui-là. Donc, si je veux qu'il y ait une symétrie par rapport à haut, et je lui mette un petit point pour dire, ça y est, toi, je me suis occupé de toi. Celui-là, il est où par rapport à haut, il est pile là. Et il faut les prendre un par un comme ça. Celui-là, il est où Il est là. C'est bon, je me suis occupé des trois du haut. Celui-là, il est où Il est entre ces deux-là. Il est entre les deux que je viens de faire en rouge, il est là. Celui-là, regardez, par rapport au haut, il est ici. En diagonale de lui. Ok, on s'est occupé de tout ce duo-là. On en est déjà à 1, 2, 3, 4, 5. Hein. On continue. Celui-là, 1, 2, 1, 2, et on arrive là. On s'est occupé de lui. Lui, c'est facile par rapport à haut. On arrive pile là. Là, c'est haut. Lui, tac, tac, on arrive là. Hop, hop, je me suis occupé de vous. Lui, par rapport à O, on arrive ici. Il nous en reste deux à nous occuper. Lui, il arrive tout là-bas. Et lui, euh, pardon, oui c'est ça, lui, où est-ce qu'il arrive celui-là Il arrive, celui -là il arrive euh, ici. Celui-là arrive ici. Donc combien j'en ai coloré en tout 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et 11 11 D'accord et c'était Naïm qui a trouvé 11 la bonne réponse très bien Naïm donc je vous souhaite une très bonne après-midi une très bonne journée et on...